Et bonjour, internotatrices et internotateurs. Ici Galden pour les jeux du Cygne et j'ai décidé d'essayer autre chose pour vaincre la base. J'ai refait, j'ai retesté avec les résolutions auto à chaque fois. Il me détruisait mes vaisseaux civils et ça m'agace. Je me suis dit, eh ben, je vais commencer le combat de la même façon que je l'ai fait. Et puis quand j'aurai, que je l'ai fait dans l'épisode précédent, et puis quand j'aurai détruit tous les petits vaisseaux, tous les petits pium-pium qui est autour, je vais passer en résol auto. Et on va voir ce que ça donne. Ce sera peut-être mieux. Ça évitera, disons que si j'ai des pertes, au moins ce sera des pertes militaires, et pas des vaisseaux civils. C'est peut-être un peu bête, parce que finalement les vaisseaux civils, je les reconstruis peut-être plus vite, mais bon. Sur le principe, ça m'agace. Donc on va partir comme ça. Puis je me suis donné un tout petit peu de vitesse initiale, un petit peu plus que sur la bataille précédente. On va voir ce que ça va donner. Hop. On rétropédale. Et là on va se lui mettre tout de suite pour donner fin au combat. Hop. Je vais pas attribuer de cible. Là, tous les petits points d'exclamation, c'est normal. Hein, c'est des armes en mode dirigé, donc ça veut dire qu'il n'utilisera pas les missiles. Bon, et puis comme sur la bataille à l'épisode précédent, je vais mettre en pause le temps que les combats commencent. A tout de suite. Voilà, les premiers tirs arrivent. Hop, sur fond d'Europe. Alors du coup, c'est vrai que on distingue moins bien les lignes hein, qui sont effectivement pas toujours très lisibles, mais c'est pas grave. Alors ce que je vais faire, peut-être rester comme ça. Boum, allez, les premiers qui disparaissent chez les aliens. Ça va quand même très 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 vite. Alors là il en reste deux, lui il va pas survivre longtemps. Juste lui j'aimerais bien qu'il s'échappe pas, mais il a l'air de vouloir revenir vers moi, ce qui est une excellente idée. Boum, et comme ça en plus j'aurais tout détruit. Ce qui est mieux que ce que j'avais fait à l'épisode précédent. Là, il essaie de s'éloigner, ce qui ne m'arrange pas du tout. Je vais mettre les Jupiter Gauss. Jupiter Gauss qui clairement sont les moins efficaces. Je pense que j'ai pris encore moins de dégâts. Hop. Je vais les mettre sur lui. Avec une orientation. Ils ont quoi? Ils ont. Oui, ils ont canon gauche à 24. Hop. Et dès qu'ils seront détruits. Dès qu'il sera détruit. Ça ne suffira pas. Tu peux faire piou autant que tu veux. Surtout si tu remontes. En direction de ma colonne de vaisseau. Ouais, jusque là il défend bien quand même. Ah, ça commence à toucher. Voilà. Bon, et ben maintenant on va se partir, on va lancer de la résol auto et puis advienne que pourra. Hop, c'est parti. Tac, résoudre la bataille automatiquement. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Subit des dégâts. Il fait subir des dégâts à tout le monde, quoi. Mais, et je perds. N'importe quoi. Ils sont absolument pas. Je perds un petit bout. Bon, en soi, j'ai moins de pertes. J'ai moins de pertes, j'ai moins de gains. Ouais, c'est naze.
Mais c'est une vraie victoire. Et c'est pas tout à fait anodin quand même. La flotte Belvin a fait son taf. Hop. Il a viré, il a fait fuir. Alors, boum. Je vais même pas l'attaquer, hein. Je vais directement le détruire. Et c'est quand même, bim, une grosse, grosse, grosse victoire. Je vais les envoyer se faire réparer. Ensuite, il faudra que j'aille défoncer sa base qui est ici. Alors, est-ce que je peux intercepter autour d'Europe? Non, autour d'Europe, j'imagine que j'ai juste... ces vaisseaux. Tac, tac, tac. Ceux-là, je peux les intercepter ou pas? Hop. Est-ce que j'ai la possibilité de les intercepter? Non, j'ai pas assez de Delta V. 92, ouais. Bon, tant pis. Si je fais d'abord une égalisation de Propergol, moi ça changera rien. Ouais, s'il y a lui qui a perdu du... Bon, on va tester. Hop. Est-ce que j'ai moyen? Non, j'arrive pas à les attraper. Il s'enfuit en courant. Et les petits copains, le 576, je pense que ce sera pareil. Hop. Non, c'est pas ça que je voulais, d'accord. On va y arriver. Flotte Melvin vert. Tac. Hop, 576. J'y arrive pas non plus. Et qui d'autre? Lui là. Non plus. Bon, et ben, on va l'envoyer se faire réparer autour de Ganymède. Tac. Station Nelibi. Hop. C'est le bordel. Pourquoi 8 mars? Oh putain, c'est pas possible. Et je peux pas l'annuler. Oh, ça m'emmerde. Sérieusement, ça m'emmerde. J'ai pas fait gaffe à ça. 8 mars 2047. Bon, j'adore. Charger dans ce jeu. Les chargements sont hyper longs. Ben, on recommence. Bon, je vais refaire le combat bah, de la même façon. Je vais revenir au même point, au post-bataille. Et puis, on verra à ce moment-là. C'est un peu pénible. Mais c'est ainsi. À tout de suite. Ok. Donc, là, on est reparti pour de bon. J'ai des meilleurs. Je récupère plus d'exotiques, c'est mieux. J'ai toujours. Un réservoir, deux réservoirs, trois réservoirs qui disparaissent et un petit boom. Donc c'est comme le précédent, j'ai un peu plus de rouge. On va voir si ça m'immobilise tout autant que la fois précédente. Melvin, allez. C'est pour ça qu'en fait, je pense que je dois avoir des moteurs cassés. Il doit faire que je me déplace plus lentement, donc il faut que je sélectionne ceux qui vont le plus lentement. Flotte Melvin, donc. Ah oui, de toute façon, il n'y a pas. Alors, terminé. D'abord, on détruit l'habitat. Ça, c'est... Je trouve que 0,25 seulement d'exotique, c'est un peu n'importe quoi. Mais c'est ainsi. Alors. Est-ce que du coup... Alors...
peux les mettre sur mes libis. Est-ce que j'ai une chance? Non, j'ai aucune chance de les atteindre de nouveau. Lui, pas plus. Alors. Donc sur Ganymède. Nelibis. Tu mets combien de temps? 17,3 semaines pour y arriver. Donc, on va diviser la flotte. Alors, il faut que je regarde. Est-ce que j'en ai qui n'ont pas beaucoup de Delta V? Pas forcément. Je vais commencer par égaliser, partager le propergol. Hop, ça, ça coûte pas grand chose. Ensuite, donc, tac. 17,12 semaines. Donc ça va toujours pas. Il faut que j'aille regarder ceux qui ont. C'est l'accélération la plus pourrie. Donc il y a lui par exemple 0,89 mg. Il a dû se faire un peu casser son moteur. 1,6, c'est pas terrible non plus. 1,2, 1,6, 1,6. Tout cela, ouais, ils sont carrément ralentis, quoi. Là, on a quelque chose qui va un peu vite. C'est les titaniums, les titans qui vont plus lentement. Donc, à partir de ça, peut-être que ce qu'il reste de la flotte Melvin va, elle, pouvoir intercepter oui, 3,39 jours. Là, c'est nettement mieux. Non, pardon. Ah non, là, j'ai pas assez. J'ai pas assez, donc ceci dit, ils mettent 3,39 jours pour y arriver. Donc, on va faire comme ça. Ganymède. Oui, Ganymède, Nelibis. Hop. Et alors, qu'est-ce que je fais de vous? Parce que vous, vous mettez une éternité à y arriver aussi. Hein. Ganymède, Nelibis. Ouais, c'est ça, 17,12 semaines. Si je les lance, ça fait arriver le 2 mars. Est-ce que j'ai une autre solution? Et ce qui est bizarre, c'est qu'il me semblait que j'avais... Sur Mars, sur mes titans, il me semble qu'il y a des plateformes de réparation. Ah oui, les réservoirs bloqués. Aire de réparation, une équipe de contrôle de dégâts renforcée ainsi qu'un atelier qui effectue. Alors c'est peut-être sur le vaisseau même. Ça doit pas être sur les vaisseaux autour. Alors, de toute façon, je vais construire. Je vais construire autour de Jupiter, autour de Ganymède. Non, c'est pas... Ah, j'ai qu'une station de niveau 3 autour de Ganymède. C'est un peu con, ça. Autour de Io... Ah non, c'est autour de Callisto. Autour de Callisto, c'est là que j'ai mes meilleures stations. Ouais, ça c'est du T3 si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, là c'est du T3. Donc en fait c'est Arnarson le plus adapté. C'est là que je vais construire le plus rapidement. Donc, c'est autour de Callisto. Et j'ai pas amélioré sur Ganymède, c'est un peu con ça. Nelibis, je pensais que c'était du T3, mais manifestement non. C'est très clairement pas du T3.
J'aurai encore suffisamment d'énergie. Ok. Donc, station Anarsen autour de Callisto. Tac. Construction de vaisseau. Callisto, Anarsen, Telvium, tu vas me faire. Des 26 jours, ça va. Je vais m'en faire 4. Je vais me faire des Jupiter 74 jours. Histoire d'avoir ce qu'il me faut en vaisseau civil. Ok, et donc ma flotte toute cassée. Tu mets combien de temps pour arriver là? C'est encore plus long. Et pour arriver sur Io, c'est pareil. Et ben, go sur Ganymède. Hein. C'est 12 semaines, de toute façon je peux pas faire grand chose d'autre. Ça veut dire que c'est eux, ils vont avancer à tout petit pas. Allez, on a détruit notre première station et c'est quand même pas tout à fait anodin. Hop, on continue nos recherches. Ah ouais, t'es pas content, bon, je m'en fous. The people will come to our side. 37%, on recommence. Ok, très bien. Là, c'est vraiment super blindé. 5 postes de combat, j'arrive même pas à tous les alimenter. Il faut que j'attende encore quelques jours. 8 avril, oui, quelques jours. Ah non, ça c'est le complexe de l'anneau. 9 décembre, un mois. Pour qu'ils soient tous alimentés. De toute façon, je pense qu'il s'amusera pas à venir me compter fleurette ici. By the numbers. Fini d'être réparé. Ah non. Ah, 10 décembre. Ah oui, il y a quand même un peu de boulot. Ouais, le truc, c'est que comme j'ai... Du coup, il n'y a qu'une seule... Comme j'ai mis les autres à réparer, enfin, à améliorer, j'ai peu de... Comment ? Peu de chantier spatial disponible. Sur Mercure, c'est désactivé. Ok. J'aurais dû attendre que les réparations soient effectuées. Alors, sur Terre, comment vont les choses? C'est toujours pas mal agité ici. Et en Irlande, califat Union Européenne. What's the op? I will try to sway the public. Where you need me? Hop. We'll make our appeal. Un petit coup de campagne publique partout ici. Et on continue. Offering assistance. Offering support.
J'arrive même pas à me bombarder efficacement. Public sentiment is increasingly with us. Public opinion is moving in our direction. We've moved the needle. Si. Écoute, c'est bien. Vu ce que ça apporte, je vais pas m'amuser à le reconstruire. Oh, le vilain. Les vilains serviteurs. Dommage. Orbite extrême de Mercure. Hop. Pas sûr que je m'en serve un jour ou l'autre, mais... The LZ is secure. Très bien. Alors, voilà, il est terminé. Mes réservoirs. Donc, eux, ils vont s'appeler réservoirs. Bon, c'est quand même bien de pouvoir défoncer. Et bah tiens d'ailleurs, je vais pas regarder. Je suis repassé à 82%. J'y comprends rien. Si vous avez explication sur comment ça fonctionne ce système, bien avouer que j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi est-ce que ça n'arrête pas de monter et de descendre. J'imagine c'est qu'il reconstruit des trucs, hein, mais. Est-ce que je peux. Irlande 12 janvier, Islande 29 mars. Tiens. Gilou. Allez. Calmer un peu les choses ici. Restoring order. Et Ita by. En Indonésie. Restoring order. I will help them. Making things safe for our people. I will help them. J'ai les stocks là qui sont complètement insane. Hop, 62%, tu peux recommencer un petit coup. Là aussi. Flotte Melvin réparée. Alors... Bien. Ceci étant fait... Il faut que je retourne sur Europe, en orbite basse, histoire de lui défoncer la tronche. À coup de bombardement orbital. Alors... Les emplacements. En fait, j'ai pas. Logiquement, c'est plus efficace en étant plus proche. Ceci dit, c'est balèze aussi. Hein. 10,5K. Il y a de la défense. Hein. Je vais voir un peu ce que fait le bombardement de haut niveau.
Oui, parce que je me fais sacrément attaquer. Du coup. Est-ce que j'arrive à les détruire des trucs? Bof, hein. Ouais, il est chaud le coco. Hein. Et est-ce que j'aurais pas mieux fait d'envoyer des Marines? Je vais regarder ça. Réseau de défense extraterrestre sur plusieurs niveaux, ferme. Ferme de réacteur à fusion. Citadelle extraterrestre, j'imagine que ça c'est. Ouais. Je souffre. Quand même que j'essaye de faire autrement. Et du coup, il est bloqué pendant 14 jours. Alors, en termes d'opinion, c'est 62 le plus bas, tout va bien. 53 le plus bas. Hop, on va aller sur Madagascar. Essayer de calmer un peu les choses. We'll restore peace to this nation. I'm here. We'll make things safe. Panique. Allez, calmons les gens en déployant les forces de sécurité. Offering support. Offering assistance. Parce que là, c'est pareil, je m'en cogne un peu. Ah, il y avait. Non, c'était bien pour les filles. La fission, c'était pas mal. Ah, tant pis. Violence is abating. Alors, très bien, j'ai ma première flotte Saturne. Ah, c'est flotte Saturne. Je peux même la faire décoller. Et la faire cibler Victor 515 qui arrivera à s'échapper. Tant pis. Le principe. Va trop vite, saligaud. Est-ce que j'en ai mis d'autres en construction? Je ne crois pas. De mémoire. Et si c'est le cas, c'est une erreur. Eh oui. TPDB. Régner par décret. Que voulons-nous? Le lancement spatial, formation, éducation. Things are cooling off. Hop, un petit coup. Moi,
j'ai combien? J'ai 332 delta V. Je vais faire cramer ces cartouches. Il a combien lui? Ouais, il a plus que moi. Mais ah, ça faisait longtemps que je n'avais pas joué à ça. Things are cooling off. C'est quoi, il y a plus de... Il a plus d'accélération quoi. Ah merde. Là, il arrive à me détruire mes vaisseaux quoi. Ah, ça y est, il s'est barré. Allez, tu peux réatterrir. Things are stabilizing. Oh là 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 là. Ah, il faut arrêter d'attaquer si... Fin du mois, ben j'espère. Répéter l'opération, non. Et attaquer à l'habitat 0%. Ouais, je vais peut-être d'abord me réparer. Je pensais pas que c'était aussi violent. La vache. On a dit que c'était sur Callisto que j'avais, c'était sur Anarson. 15-62 semaines, bah ouais, même chose. Du coup. Il m'a défoncé. Alors là, vraiment. Bon. Non, je vais autour de Yo, parce que normalement. Là, ouais, je peux aller autour de Yo. Question, parce que là, ce sera vite réparé, 1,65 jours. Et puis toi, bah c'est. Un vol lent. Avancer, yes. Réparation. Tac. Bon, franchement, les bombardements orbitaux, les armées, bon, ça à la limite. Combien de temps? 9 janvier. C'est déjà plus rapide. Ça donne un peu le tournis. Bien. Allez, tac. Ça... 1er janvier, pas une... Non, c'est... Ah si, je vais bientôt pouvoir le faire normalement. 12 janvier, donc normalement, je peux lancer l'unification de l'Angleterre avec l'Irlande. Je crois que 12 jours, ça devrait le faire. Ah non, attends, je peux... Bon, au prochain tour. Hop, Eurasie. Et le pack
Le Tan-Asian Combine. Securing our control. Securing our control. Lending my expertise. Protecting our interests. Bon, securing il va falloir que je trouve une solution pour... Lending my expertise. Pour lui péter, pour lui péter ses bases, du coup. Corvette débris, hop. Je m'en servirai plus. Détruis si tu veux détruire. Violence is abating. Things are stabilizing. Oui, plus d'avancée. Ah non, sachez. Formation, éducation. Bon, flotte Melvin réparée. Maintenant, tu as combien de temps à contrôler les missions? Je me suis dit, il faudrait que je dépense. J'ai encore plein de. J'ai en fait plein de matériaux, il faudrait que je m'en serve. Construction de vaisseau. Est-ce que je peux pas... mes nettoyeurs là. Est-ce que je peux pas les améliorer d'une façon ou d'une autre? Je pense pas, hein, mais bon. Grand dissipateur au lithium. Ça leur permet de tenir, ça permet d'aller plus vite. Radiateur. Ça les rendrait plus lourds. Canon à plasma, MK3. Et laser. Pas forcément beaucoup mieux. Hein. Le titan. Alors si, éventuellement, ouais, mais le truc c'est que plus je mets de blindage, plus c'est lourd, donc plus ça va lentement. Il faut juste que j'en construise plus, hein, c'est tout. Autour du titan, Callisto. Je vais avoir terminé ça. Autour de Yo. Ah, c'est vraiment con que je les ai pas améliorés. Là, c'est non alimenté, c'est en cours de construction. Sur Nelibi. Autour de Yo. Je vais améliorer mes chantiers autour de Yo. Hop. Tac, tac. Ça me coûte 108 jours. Et une blinde de métaux de base. Ah oui, c'est là que j'ai mon super collisionneur. Là, logiquement, je vais manquer de courant. Ouais. Est-ce que ce sera ces 1450? Non. jours. Putain, c'est long. Et là, 216 jours. Ça coûte beaucoup trop cher, donc... Hop. 1700 sur 1600. Ah, plus que ça coûte, on va pas en faire plus ici. Par contre, ouais, en fait, il faut juste que je m'en fasse plus. Je vais me faire une autre station autour de Callisto. Je vais me faire directement un anneau en orbite basse.
90 jours. Hop, on est sur du T3. On veut construire. Ouais, c'est 180 jours pour ça. 4, 5, 6, 7, 8. Ferme un réacteur à fusion. 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, c'est largement suffisant. Pour le principe, je vais quand même mettre un poste de combat. Hop. 190. Ça coûte, ça fait 120. Allez. Si c'est pas du bourrin, je sais pas comment ça s'appelle. C'est le chantier spatial, quoi. Moyennant quoi? Non, c'est pas ça que je veux. Autour de la Terre. Autour de. Sur Cérès, je peux construire quoi? Cérès, c'est pas mal aussi. Qu'est-ce que je vais construire? Je vais me construire des petits booms. Ça se construit vite fait. Ça va vite. Et ça coûte pas trop cher. Faut juste que je le. En fait, faut que je le. Je le noie sous la masse, quoi. Je vais faire 4. De toute façon, j'en ai plus après. On va le noyer sous la masse et puis on va faire en sorte que ça passe. Hein. Malheureusement, il n'y a pas 50 000 solutions. Melvin est réparée, on a dit, mais elle est un peu cassée. Alors, la question, c'est est-ce que je peux arriver à prendre cette station ? Avec mes Marines, sachant que j'en ai quand même pas des masses. Citron, tac, tac, tac. Securing our control. Reporting in. Hop. Maintenant, je peux fusionner l'Irlande. Alors, en termes d'opinion, j'en suis où? 53%, c'est bon. Et là, ça s'améliore, donc... Your orders? Ita, tu vas me faire... La Time to make our move. Et j'y vais. Hop. We'll restore peace to this nation. Tu vas rejoindre le réservoir. Hop. Dissidence dangereuse. Je peux lui faire augmenter sa cohésion de 1. Ouais. Offering counsel. Toujours pas mal. Protecting our interests. C'est quoi ma priorité? Ça devrait être du bien-être 100%. Mais oh, de toute façon. Ouais, enfin en même temps avec 8,5 d'insurrection. On ne peut pas faire grand chose d'autre. Oui. Vortex polaire. Putain. C'est tout sur les États-Unis d'Amérique du Nord. Alors, est-ce que... Mes Marines... Non, c'est 0% quoi. Donc, il va falloir que je me fasse également... Je vais améliorer parce que j'en ai une Escorter Marines.
Ouais, j'en ai que deux dedans. C'est quoi ça? 12 de delta V. C'est quand même vraiment light. Hein. Je vais concevoir. Escorteur gunship corvette. Ouais, ceci dit, je sais pas très grave. Ce qui importe, c'est que je puisse les faire rapidement. Construction de vaisseau. Autour de Callisto, du coup. Et du Cercer, normalement, ça devrait. Escorteur Marines. Ça coûte vraiment que dalle. Ça met 25 jours à être construit. Pareil, on va noyer. Ah, est-ce que ça s'améliore? Attends. Est-ce que j'ai pas... Je me demande si j'ai pas... Parce que là, c'est... Unité d'assaut avancée des Marines. Eh si, d'accord. J'ai des unités d'élite. Alors, je vais en profiter, je vais mettre un tout petit peu plus de Delta V et d'accélération. Histoire qu'ils puissent se balader un petit peu plus. C'est quoi? C'est un Firestar que j'ai dessus. Ouais, non, je vais changer. Je vais l'obsoléter celui-ci. Hop. Je vais mettre un vrai propulseur dessus. Ça me permettrait peut-être de voir. Alors, j'ai pas besoin d'accélération de combat. J'ai besoin de pousser de vitesse d'échappement. Ayant inertiel. Celui d'utile, c'est celui-ci. 10-4, 10-4. C'est les états bord à fusion. Ouais, c'est pas. Je. Si. 10-4, 10-3. Avec poussée de combat x 60. Par contre, une grosse énergie nécessaire. Et j'avais pas vu ça. 520 gigawatts. Là, je suis sur 2,6 gigawatts. Oui, mais bon, c'est pas la même taille, non. C'est pas la même efficacité. 1,4 terawatts. Ah ouais, 73,7 terawatts sur l'énergie nécessaire. Ah. Si, c'est pas mal, ceci dit. Ah oui, non, c'est 1,4 gigawatt, oui. Peut être pas mal. Je me souviens, entre la poussée et le... Entre la poussée et la vitesse d'échappement, je me souviens jamais. Ceci dit, si je veux pouvoir le réapprovisionner, il faut que je mette le même que les autres. Parce que si je veux pouvoir le réapprovisionner facilement, puissance maximale, 4 terawatts, puissance maximale, 300 terawatts. Ah ! Putain la vache ! D'accord. Ça coûte de l'exotique, mais c'est pas la même. 2 tonnes par gigawatt. Ah oui, c'est beaucoup moins lourd, l'alimentation spécifique. Juste pour tester,
Le poids 2275 tonnes. 3600, ouais, ça fait 50% de plus quoi. Donc rééquipement invalide. De toute façon, celui-ci, je peux pas le faire puisque je change de... je suis en train de changer complètement de propulsion, donc il faut que je fasse concevoir une classe de vaisseau. Voilà. J'ai besoin de rien du tout d'autre. Radiateur. Ouais, gouttelette d'étain. Batterie. J'ai vraiment besoin du minimum syndical. Juste ça. Et alors là, je fais quoi? Je fais 753 km/s. Ça va. 30,5 millièmes de G. En fait, j'arrive pas à garder des ordres de grandeur intéressants. 33 millièmes de G. Si je mets un truc comme ça. Hop. 13,2 millièmes de G. Donc c'est moins bien. Je fais un truc comme ça de bourrin là. 513 millièmes de G. C'est nettement mieux. Bon, on va mettre ça. Tac, on va mettre un tout petit peu d'exotique. C'est complètement overkill. Mais c'est pas grave. Donc là, j'ai un très 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 beaucoup trop gros Delta V. Je peux mettre un truc de propergol et c'est tout. 50,4 millièmes de G. Ouais, là j'augmente. J'augmente le poids, mais. J'augmente la vitesse du truc aussi. En fait, il faudrait que je regarde. Nettoyeurs, ils sont à 32,4. Titanium 12,7. Plasma et Mego sont une bien meilleure accélération en fait. Les trucs de base. Ouais, là j'ai pareil. Mais en gros, quand même, s'il veut naviguer avec cela. Il faut que j'ai le même type de... Voilà, donc je suis aux alentours de 13. Qu'est-ce qu'il faut que j'ai en tête? Donc ça sert à rien que j'ai beaucoup plus que ça. Et là, je suis nettement au-delà. Sauvegarder. Donc ça, c'est... Escorte. Marines V2, véhicule de transport de troupes, sauvegarder. Et donc ça, il faut que j'en conçoive. Construction de vaisseau, donc on va annuler cela. Marines V2. Hop. Et je vais mettre ceci en obsolète, les escorteurs marines de base. Hop. Voilà. C'est 2 mars, 12 avril. Hop. Order is returning. C'est critique. Wouhou. Oui, donc ça, on a vu que ça ne servait à rien. Là, je vais rester en hauteur. De toute façon, là, je peux pas y faire grand-chose. Je vais attendre que les Marines débarquent. Policy direction complete. Et unification avec l'Irlande.
Bien-être. Alors, ceci dit, là, je peux me calmer. Et je peux... Tac. Je peux développer économie et savoir. Et je vais arrêter l'épisode ici. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut. N'hésitez pas à venir sur Discord, causer avec nous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.